Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 26 mars 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire. Dès l'instant où cette guidance vous stimule, vous inspire, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte. La séparation. Donc, on nous parle de quoi? D'ennui. Une personne qui s'ennuie de toi. Une personne qui pense à toi. On ne sait pas ce qui nous attend. Il y a tristesse. Continuons. L'énergie de la séparation, de la fin d'une situation ou d'une relation. Qui sait? Allons-y. La chambre. Étranger. On a invité un étranger, une étrangère dans notre lit, et là c'est terminé. Étranger. Continuons. Explorons. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Oui, on dirait qu'on a fait une rencontre, mais on dirait que ça n'a pas duré longtemps. On n'a même pas eu le temps de se connaître réellement. Donc, une histoire d'un lit, une histoire de couchette, peut-être que c'est ça. Allons-y. Continuons. De coucherie, comment on dit? Changer, changer, changer. Après avoir reçu l'amour comme un cadeau. Intéressant, la carte tout de suite après. Allons-y, continuons. Changer, changer. Donc là, ici, d'après moi, on a fait une rencontre qui a été rapide. Une rencontre express. Et là, bien, on nous parle d'un changement. On veut partager, amour réciproque, échanger. Donc, il y a une expérience là, qui s'est vécue ici. Partager, donc l'idée du partage, de l'amour réciproque est très présent. Oui, se libérer d'un passé. Mais là, ici, la carte de l'univers, pas de l'univers, mais de la lumière à l'envers, je vais avoir besoin de l'explorer. Donc, on nous parle de quoi? Patience. Vérité. Donc, ici, vouloir communiquer. Échanger, partager. La vérité maintenant. Dévoilement des faits. De la réalité, se libérer d'un passé, une personne qui recherche l'équilibre, qui a le goût de partager. Donc ici, je pense que c'est une histoire à court terme, donc c'est terminé. Lumière maintenant à l'envers. Allons-y, je vais l'explorer. Pour quelle raison? C'est comme si on se sentait trahi. Bon, peut-être qu'on a cru que cette relation irait plus loin, mais non. Non. Ce désir n'était pas réciproque, tout simplement. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'on a fait la rencontre d'une personne et on a cru que cette relation était pour durer, mais non. L'impression d'avoir été trahi, bien oui, mais dans les premiers temps là, d'une relation, d'une rencontre, on se promet la lune. Souvent, c'est le même. On y croit! On y croit fort! C'est comme ça! Dans la réalité, eh bien... En tout cas, en ce jeu, ce n'était pas réciproque. Cet élan, le goût de partager, d'être en relation,
sur du long terme ou bon, en tout cas un peu plus longtemps que ça, là, parce qu'ici, le changement s'est fait assez vite. J'ai vraiment l'impression de la courte durée. L'impression de s'être fait avoir, mais dans le fond, on ne connaît pas la personne au tout début, ça prend du temps pour la connaître. Bien là, probablement que nous n'étions pas sur la même longueur d'onde. Donc, en tout cas, de toute façon, ici, il y a une personne qui fait le choix de changer. Changer. Après avoir reçu l'amour comme un cadeau. Allons-y sur la lumière à l'envers. Il n'y a plus de désir, c'est une histoire de passion, de désir, de coup de foudre, un feu de paille, désir, énergie sexuelle. C'était une histoire de sexe, tout simplement. Tout simplement, et ça s'est terminé. Donc là, ici, on nous parle de quoi? Je dépose une autre carte. La personne n'a plus de désir, elle n'éprouve plus de désir pour toi. C'est terminé. Et l'autre a l'impression d'avoir été trahi, mais c'était une histoire de fesses. C'est tout. Une baise. Tout simplement. La carte de la malhonnêteté, le masque. Le faux soi. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça ici. Dans les premiers temps. On se montre, tout est beau, tout est beau. On se montre sous nos plus beaux jours, sous notre plus beau jour. En tout cas, c'est la désillusion là, que j'ai l'impression de rencontrer. Là, on voit la réalité, l'impression d'avoir été trahi, mais. Ça prend du temps pour construire une relation. Là, je ne sais pas pour quelle raison cette personne s'est retournée vite, là. Il semble que ça a été rapide. Il semble que ça a été vite. Une petite vite. Ça a été vite. Et il y a l'autre personne qui veut plutôt échanger, créer le lien, créer la relation. On n'était juste pas sur la même longueur d'onde. Une personne voulait simplement vivre une aventure. C'est tout. Vous appelez ça un plan cul. C'est tout. Bon, allons-y. Avec la carte questionnement. Questionnement. Explorer la vérité, chercher les réponses, croire que les réponses viendront. Réconfortez-vous dans le fait de savoir que nous cherchons tous des réponses. Ces réponses sont à l'intérieur de nous. Nous devons explorer ce que nous connaissons et chercher la vérité tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent. Croyez que les réponses viendront et vous serez guidés vers elles. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elles ne se dévoilent à vous et que vous puissiez avancer dans la bonne direction. Bien là, on les a eues, nos réponses. On les a eues avec la carte de la vérité. C'est terminé. Une relation qui prend fin. Alors voilà, c'est ici que je m'arrête et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.